nous. Voilà la goutte cruelle, encore attachante. C'est la vie de chaque personne du monde. Mais s'il y a quelques types variés du poivre avec différents niveaux d'épices, alors il doit en être la vie aussi. Les chefs d'eau ici tous savent cette goutte, ils l'aiment, ils le respirent et ils transforment la douleur en la cuisine dégoûtée. Personne qui peut le tolérer. Est-ce qu'il y a un type humain qui peut le tolérer mieux qu'un autre? Aujourd'hui, nous allons savoir. C'est le chef Thor. Y a-t-il des challengers? Moi, je défie le grand chef. Je viens d'une région de Bordeaux où on célèbre pour le meilleur vin et la meilleure cuisine. Moi, je défie le grand chef. Une femme? C'est pas possible. Une femme? Une femme n'a aucune chance de me défier. Oui, c'est une femme qui se défie. Parle d'une femme? Jamais! J'accepte ton défi, mon petit poulet. Allez, viens, je t'attends. Bienvenue, votre majesté. Pouvez-vous raconter-nous de votre histoire un peu, peut-être? Bonjour, je suis la reine. Une femme chef, c'est du jamais vu. En fait, on ne m'a pas demandé de juger ce concours, bien que je sois la reine. Je pense cependant que je suis capable de juger la qualité de la cuisine, car j'ai mangé beaucoup de beaux plats dans ma vie. Je suis si heureuse d'être là et de voir une femme concourir. Il est grand temps que les femmes se démarque dans notre monde et commence à réaliser le fort. Et vous, Monsieur Boucher? Bonjour tout le monde, je suis aussi très content d'être ici aujourd'hui. Comme je suis le boucher du palais, je connais bien la nourriture qui compose un bon plat. Après tout, je sais la table du roi et de la reine. Je ne peux pas imaginer une femme capable d'acquérir les techniques de coupe de la viande pour sublimer ses plats. Je serais très intéressé de goûter à ses plats une fois terminé. Et maintenant, nous faisons bienvenue de la taille de la reine. Bonjour tout le monde, bonjour, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Oui, je suis tailleuse de la reine, je suis moi-même artisan de tissu et je me rends bien compte du travail qu'il y a dans toute création de maître. Donc je crois que je suis également capable de juger les plats cuisine aujourd'hui. Je dois dire que je suis très surprise qu'une femme soit autorisée à participer à un tel concours. Mais du coup, cela va être très intéressant d'y assister. Comment une femme va-t-elle être capable de défier un homme? Elle n'est pas née avec l'intelligence d'un homme. Et sa nature émotionnelle la rend inapte pour survivre une carrière qui leur est destinée. Si le grand chef accepte le défi de ces inconnus, ce sera la toute première fois qu'une femme fait partie de la compétition.
et la première fois aussi qu'une femme le jugera. S'il accepte, je vous révèle l'ingrédient secret du jour. Des œufs de cygne. Nous sommes très curieux de ton parcours et les raisons qui te poussent à croire que tu as le talent nécessaire pour défier le grand chef. Bien que je sois une femme, je suis aussi talentueux qu'un homme. J'ai étudié aux côtés du meilleur chef de Londres à Marseille. J'ai étudié beaucoup de sujets. Marseille est une ville avec des têtes d'œufs. Remplis d'idiots qui ne savent même pas à quoi ressemble un œuf, et encore moi qu'on me le fait bouillir. Fais bouillir votre propre tête cochon. Combien même je ferais bouillir ma tête, je serais toujours plus malin que toi. Chef Danny, oui. Nous sommes très curieux de vos origines et où vous avez appris cuisiner. Moi, j'ai étudié la cuisine de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrête pas d'étudier, penser et contempler la cuisine, l'origine de celle et la combinaison qui pourrait être possible. C'est ma mère qui m'a introduit de toute la connaissance de la cuisine. Est-ce que c'est possible que chef Rebecca gagne chez toi? J'ai préparé une classique omelette au fromage. Et toi, tu as fait quoi, ma petite poule? J'ai fait quelque chose que j'ai inventé. La crème brûlée. Et sale. Le gagnant, c'est... La femme! Mademoiselle! Vous devez travailler pour moi au palais. C'est vrai qu'une femme n'a jamais occupé un poste si élevé. Mais je crois que nous allons maintenant commencer à comprendre que les femmes n'ont pas seulement l'intelligence et la créativité pour se poursuivre dans cette voie, mais qu'elles en ont aussi le droit. Ne pensez pas que je choisis elle à cause de son sexe. Je l'ai choisi pour ses talents. Je n'ai jamais goûté un dessert qui puisse être comparé
ancienne. La crème brûlée si riche, si douce, et le sucre si croquant sur le dessus quand on le casse. J'ai envie d'entendre ce son jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez raison, votre majesté. Rebecca et son dessert sont impressionnantes. J'ai un frère forgeron qui sera, j'en suis sûr, très intéressé de parler avec elle, et surtout à propos de sa baguette de fer et de feu. Félicitations, madame, tu as gagné. La gagnante. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien. Bien, mademoiselle. Moi, vous avez gagné. C'est très bien. Peut-être nous pouvons parler ensemble un peu. Aujourd'hui, nous venons de constater que les femmes peuvent être aussi intelligentes et créatives que les hommes. Viande pour sublimer ces plats. Wow, that's painful. Vous aurez raison, votre main. One more time. En français, s'il vous plaît. Je suis le meilleur chef dans le monde. One, two, three. Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Sacré bleu!